Un chant de contestation pour saluer les vœux de Jean-Baptiste Moreau. Le député de la Creuse a donc choisi Jarnage pour cette cérémonie traditionnelle après avoir annulé le rendez-vous initialement programmé à Felletin. Les raisons du déménagement, une alerte des renseignements territoriaux sur la présence annoncée d'individus extrémistes et radicalisés de l'ultra-gauche. Une alerte assortie de risques de menaces physiques et de violences potentielles, selon l'élu. Parce que je savais déjà depuis plusieurs jours qu'il y avait une manifestation de l'intersyndicale contre les retraites, mais ça, je n'avais pas de problème avec ça. J'avais vu avec eux, ils voulaient installer un barnum à côté. Je serais même allé les voir certainement et je les aurais même invités à rentrer. Par contre, je ne voulais pas mettre en danger à la fois eux, parce que c'était eux les premiers exposés, les forces de l'ordre et puis les citoyens qui voulaient venir à ces gens-là qui ne sont pas là dans un cadre démocratique, qui n'ont rien à faire de la République. Nul doute que Jean-Baptiste Moreau s'enthousiasmera de la mise en place d'un plan particulier pour la Creuse. Finalement, le rendez-vous se passera dans un calme relatif. L'élu dans la salle des fêtes, gilet jaune et syndicaliste de l'autre côté de la vitre. On est venu chercher cette réponse politique qu'on n'a toujours pas et ça fait maintenant 18 mois qu'il y a de la mobilisation. Il n'y a pas de... c'est pas une animosité, mais c'est un vrai choix de rester à côté. C'était d'accueillir les gens aussi et d'être en capacité de porter l'information aussi aux gens qui viennent. Le but, c'est pas de perturber la démocratie, on n'est pas... c'était pas notre but premier, c'était vraiment d'avancer nos arguments parce que je crois que argument contre argument, le projet de réforme des retraites... On se rend compte qu'il est injuste. À chacun son message, à chacun ses vœux. En tout cas, l'élu LREM l'a promis, il se rendra à Felletin en 2020.